Quand je suis née, d'ailleurs, on a mis 15 jours à avouer, si je puis dire, ma naissance. Parce que une fille, c'était considéré à mon époque et en Tunisie comme un peu comme une malédiction. Il faut, à mon sens, distinguer absolument entre le procès politique et le procès de droit commun. Ou alors, il faut commencer par dire que la défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Pour tous les combats des femmes, c'est surtout la vigilance, parce que pour les femmes, peut-être plus que pour les hommes, rien n'est jamais acquis.